technique de pêche consiste à encercler rapidement le banc de poisson s'il est jugé de bonne taille. La démonstration en est faite par un tenu en pleine opération de filage sur bâbord. La concentration du capitaine et de l'équipage est extrême pour décider le filage de la scène. Est-on naviguant sur bâbord actuellement à près de 12 nœuds. Les tons sont là, bien au centre, perturbés par la manœuvre, et l'encerclement est suivi sur le sonar. Ce sont 10 minutes de tension. Les tons peuvent s'échapper à tout moment sous la remorque ou plonger sous la selle. Rien n'est jamais gagné. Les longueurs filées sont annoncées pour aider la passerelle à rétrécir ou ouvrir la trajectoire du navire. Le skiff, qui a fait un demi-tour, lance une amarre qui permet au cerner de récupérer dans un premier temps l'avant de l'aile, puis l'avant de la coulisse sur la potence centrale. Le skiff repart ensuite sur tribord arrière pour déhaler le navire et contrôler la traction. Parfois, vent et courant se lient contre la réussite d'un virage propre. Pendant la récupération de la remorque, qui laisse un trou béant entre les deux extrémités du filet, le skiff ou le speedboat zigzague au-dessus de cette ouverture pour effrayer les tons.
Grâce au treuil de 40 tonnes et à ses 3 tambours, la remorque est virée en haut de la potence et les deux extrémités de la coulisse en bas. La remorque arrive enfin à bord, la Seine est fermée sur ses côtés. Toute l'opération est commandée du pupitre, où le second et le capitaine se relaient. L'aile arrière est passée dans le power block et la Seine est boursée. Elle est maintenant totalement fermée. Le skiff est enfin récupéré. La poche se réduit et la corde de liège se resserre. Progressivement, la poche est hissée à bord pour réduire au maximum son volume.
Le travail se poursuit souvent de nuit, pour une pêche débutée dans l'après-midi. I'm gonna go get some more.